9h26, ça va rentrer. Ah mais t'es pas sur les deux. À la fois par les Bonjour, bienvenue au Manga Expo. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors moi je suis Anne et je suis une des membres du fanzine Bloody Ink. Oui. Et là je suis sur mon stand avec Michel. Enchanté. Voilà. Donc peux-tu présenter ton stand s'il te plaît? Alors le stand Bloody Ink est un stand de fanzine qui propose donc des fanzines originaux. Oui. Ainsi que des cartes. Oui. Là on est en association avec le fanzine Lemon Squash. Lemon Squash, oui. Et ainsi que Johan qui est parti. Ok, et qui va revenir, qui oui. Fait ce côté-là du stand. Ok. Voilà. L'adresse du site Alors, on a un forum. Oui, il forum. Il suffit de chercher Bloody Ink. C'est sur forum web ou forum actif. Cherchez Bloody Ink sur Google. Ok. Donc, comment vous appelez Bloody Ink? Alors, Bloody, B-L-2-O-D-Y, oui. Et Ink, I-N-K. En gros, encre de sang, encre ensanglantée. Donc comment as-tu connu le site kokusakus.org? Alors en fait je cherchais absolument un moyen de trouver des génériques de séries, oui. Parce que je suis fan. Oui. Et puis je suis tombée sur ce site un peu par hasard en cherchant sur Google et en fait j'ai été surprise par la diversité des génériques, oui. Par les différentes sections, donc français et originaux. Oui. Et c'est vrai que la plupart du temps les sites proposent soit les originaux, soit les français. Oui. Et là il y a les deux et c'était vraiment génial. Un message à passer au public, aux fans ou à Kokusarkus? Bah allez-y. Il y a un tout message. Ce que vous voulez, des génériques en plusieurs langues même, par exemple Pokémon, c'est très intéressant de l'apprendre dans toutes les langues différentes. Oui. En plus parfois il y a les paroles, c'est génial. Voilà. Un message personnel à transmettre à Kokusarkus, un message? Je vous aime. Ah. Merci bien.